J'ai le moment où il pine dans vite, même. Guy L. Je présume que c'est Lafleur. Rendu là, ça doit être Guy Lafleur. Guy L. Matricule 15142, unité 430. Bonsoir, belle maman. Roger 10-4, comment ça va? En direct de la petite Italie à Montréal pour ce rendez-vous de fin de soirée qui va aller dans toutes les directions, je le sens, c'est déjà commencé. C'est la fébrilité, c'est un anniversaire familial ce soir, le cadet a 19. Ça c'est weird par exemple, ça c'est un choc. J'avais pas réalisé avant le feu de Bengale. Ça prend toujours un feu de Bengale pour réaliser ce qui se passe. Là, le feu de Bengale est arrivé, j'ai dit « Oups! » Ben non, 19. Ça, c'est le bébé, là. Le bébé a 19. Balou a 9. Ça, ça va. Balou, 9, ça va. Tout est correct. Problème de hanche, ça commence à être récurrent. On va prendre la cortisone. Mais le bébé, 19, ben non. Et Guy, elle, qui débarque dans la ruelle, une petite ruelle de la petite Italie. Rien de trop grave. Ceux qui me connaissent savent que je suis dans la ruelle de Luciano. Et Guy, elle, débarque, dit « Oh, je connais ça, j'adore ça. J'aime ça, le Winnebago, moi, Jean-Charles, j'aime ça, j'écoute ça, moi, tous les jours. » Tu sais, en riant, c'est comme le gars dans le dîner de con qui se ramène les foufounes et qui mange une omelette avec tout ce qui reste et qui boit un vin qu'on a transformé en biquette avec du vinaigre. Le con du dîner de con, finalement, le con suprême du dîner de con, il débarque, il est heureux, il est content. C'est génial, il trouve ça formidable. Puis un moment donné, il voit qu'il y avait un cadre sur le mur. Et là, il se dit, Et là, il demande d'aller à la salle de bain, comme par instinct. C'est un contrôleur fiscal. Par définition, il y a beaucoup d'instinct. Et évidemment, Jacques Villeray lui dit, c'est la première porte à droite. Parce que dans les bungalows du Québec, comme celui dans lequel j'ai grossi, la bécosse est toujours dans la première porte à droite. Tu prends le corridor, c'est la première porte à droite, c'est là qu'on fait un numéro 1, un numéro 2. C'est un classique. Mais pas dans les appartements français du 3e arrondissement. Allô? Ça fait que le contrôleur pogne le corridor, puis ramasse la, en principe, bécosse du Québec dans le bungalow, la première porte à droite. Tous les tableaux s'écroulent, il y en a pour à peu près, je sais pas, 1 million de francs, 1,5 million de francs, avant la conversion à l'euro. Là. Il y en a pour pas mal. T'sais. Et le classique arrive, c'est pas très net tout ça. Et évidemment, Thierry devient l'ermite le temps qu'il faut pour oublier le cauchemar. Donc, Guy L, matricule 15142, unité 430, débarque dans Ruelle ce soir. Je présume que c'est Guy Lafleur. Là. Guy L, Guy Lafleur. Flower. Le flower d'étiquette. Et là, il rigole, il arrive. J'aime ça. J'adore ça, Radio-Neuf Jean-Charles. J'écoute ça tous les jours. C'est formidable. J'écoute ça en travaillant dans la voiture. Étienne dit parfait. Et là, il regarde Étienne et dit, au fait... Qu'est-ce que vous foutez là, là? Étienne dit, mais on est stationné, on va faire un petit spectacle radiophonique ce soir. Ah bon? Est-ce que vous avez le permis? Étienne dit, non. On est entré là par le bon endroit cette fois-ci. On n'a pas arraché la valise d'un Chinois. Tout s'est assez bien passé. Hey, rappelez-moi de vous parler du Chinois d'ailleurs. Il dit donc, vous n'avez pas le permis? Ben non, on va juste faire... Puis là, il sort son pad électronique. C'est comme un livreur de Domino's en 2015. Un livreur de Domino's en 2015 a le pad électronique. Tu peux payer débit sur la livraison. Ça marche jamais. Mais, en principe, tu peux. Et là, il print. Vous voyez pas de minute. 80... Ah, je l'avais noté. Je vois pas clair. C'est effrayant. 4 points de caractère. Ça va juste? Ah oui. 86 piastres l'étiquette. Tout ça en rigolant. Là. Il est heureux.
Il est content. Il est content. Il écoute le show, il est heureux, tout va bien, vous n'avez pas de permis. 86$. Guy L, matricule 15142, unité 430. Je te félicite, sincèrement. Je ne peux pas le dire autrement, parce que tu me permets de faire 10 minutes agréables pour seulement 86$. Ça, là, rapport qualité-prix, bon, ça y est, un autre morceau à recoller. Ça tombe en lambeaux. Ça n'arrêtera donc jamais. Bon, rapport qualité-prix, 86$. Moi, je vis avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Puis, il a fait son travail. Ça, ça veut dire, il n'aura pas de passe-droit. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'écoute le show, j'aime ça, tout est rigolo. Puis, ça te coûte 86$ pareil. Toutes mes félicitations à Guy L, matricule 15142 de l'unité 430. Faites-en une superstar. L'employé de l'année. Mettez sa face dans un cadre sur le mur. Il est fantastique. Je le salue.